Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue dans notre cinquième partie sur Quantum Break. Et la dernière fois, on s'est laissé ici. Et maintenant, nous allons faire quoi? Traverser la passerelle pour nous enfuir d'ici. C'est parfait. Ok, on va vérifier qu'on n'a pas de points de compétence ici. Ben, vérifier qu'on n'a pas laissé de points de compétence qu'on peut collecter derrière nous. C'est ce que je voulais dire. Et là, il y a de la merde qui se passe ici. On fait attention. Jack. Acte 2, partie 2. La zone 0. Ouais. J'ai fait des recherches. Cette opération consiste à collecter une sorte de carburant. Il servira à alimenter un dispositif appelé le RCC. Ça vous dit quelque chose? Le RCC? Non, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. Mais ça semble être au centre de tout ce que fait Monarch. Ce qu'ils ont volé à l'université, cette opération... J'ignore comment. Mais tout est lié au RCC. Qu'est-ce que Paul prépare? C'est ce que je voudrais savoir. Donc, je peux sortir d'ici et compléter l'objectif, mais il y a un autre truc ici. Attendez, laissez-moi passer. Il y a quelque chose qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est que ça? What the... Hein? C'est parti. Ok, en gros, tu veux que je m'en aille, c'est ça? C'est parfait. Mais avant tout, est-ce que je peux ouvrir cette porte? Non, je ne peux pas ouvrir cette porte. C'est parfait. On y va. J'ai vu quelque chose de rouge. Oh, oh, oh! C'est du chrono! Bon, bon, bon. Allez, trêve de niaiserie, on y va. Ok, tu voulais que j'aille ici. Tranquille, tranquille. Non, j'ai pas besoin de ces guns. Est-ce qu'il y a autre chose pour moi? Pistolet rafale. Oh, ok, ça c'est bon. Bon, allez. Sois volonté, attaquez! Allez, détruis le truc à chrono! Oh! 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 T'es pas sérieux! Oh, wow! Ok, ça c'est crazy, hein? Explose! Nice! Oh, il faut que je recherche ça au complet. J'ai vu un big boss. Non, je m'en fous de toi, je veux le big boss qui se retrouve ici, je pense. On va sortir un bouclier comme ça. Et bon. Ça n'a pas trop bien marché pour être honnête. Il arrive! Qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai un shotgun avec moi. Je crois que ça va être correct, hein? Come on! Ok, nice, nice, nice. Honnêtement, le big boss, ben le tank me fait peur. Ok, voilà. C'est ce que je cherchais, ce mec-là. Ce petit bandit. J'avance avec le fusil à pompe! Fallait pas faire ça, mon ami! Il est mort, hein, je pense. Ouais, il a explosé, c'est cool. Ouf, attends, c'est où? Je ne les vois pas, pour être honnête. Ok, vous êtes en haut. Je vais tenter de faire ça. Ok, ça marche pas. Au moins, je suis sûr à 100% que cela ne marche pas. Faut tout essayer dans ce jeu. Faut tenter notre coup. Si on tente rien, on n'a rien. Ok, on va prendre ceci. Ils sont en haut, hein? Il semble qu'ils sont là, alors je vais tenter de lancer ceci ici. Yes! On les a eu, les potos! Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Tu l'as dit, Bouffy. Alors, ce qu'on va faire, c'est bam bam tika wow wow. Et là, je peux sûrement faire de quoi là-dessus. Ok, oui. Si je peux monter. Nice! Attends, attends, attends. Sympa comme ascenseur. C'est voilà. Ok, good. Maintenant, où dois-je aller? Ici? Jack, ouais. J'ai trouvé des documents sur une sorte de gala privée organisée par Monarch ce soir. Oh. Ce soir? Après tout ce qui s'est passé? Ça a un rapport avec leur futur plan. Seren va faire un discours et tout le gratin est convié. Les gros comptes de Monarch, les plus grands scientifiques et même le maire de Riverport. Ce qui m'amène à poser la question, pourquoi maintenant? Je sais pas, mais je compte bien le découvrir. Ok. Mon point de compétence se retrouve... Oh! En haut ici, je pense. Ouais. Ici, faut que je trouve un moyen d'y aller, les amis. J'ai tenté de monter ici pendant une éternité, cela n'a pas marché. Peut-être que le point se retrouve...
Ok, c'est bon. Moi, je croyais vraiment que c'était en haut. C'était juste ici. Au début, je croyais que cet endroit était l'endroit où je devais aller pour compléter la mission, en fait, pour progresser. Mais non, c'est pas du tout ça. Mais Sky, bon. Alors, on va traverser l'entrepôt maintenant. Il faut aller là-bas. C'est vrai, j'aurais pu regarder l'objectif. Est-ce que je suis con? Des fois, je me demande ce que je fais. Ouais, ok. Hop, voilà, bon. Oh. Des fois, j'utilise pas ma tête. En fait, je n'utilise jamais ma tête. Qu'est-ce que je dis là? Ok, je me rapproche, je crois. Ouais. Bon, c'est par où la cale sèche? Attends une seconde. Oh, voilà! Merci beaucoup! Donc, en tout, j'ai 3 points de compétence, il m'en faut encore un, et ensuite, on pourra attribuer une amélioration quelque part. Mot sur le préfabriqué. Le générateur du préfabriqué est tombé en rideau. J'ai relié la voiture pour résoudre le problème en attendant que l'équipe de maintenance dingue s'en occupe. Comme il a dit, ok. Let's go. Allez, on y va. Bonjour. On dirait que le courant est revenu dans le préfabriqué. Tu l'as dit, Buffy. Les hommes de Paul avaient récupéré la mallette de Will dans sa voiture et vidé son contenu sur la table. Will avait dit avoir besoin de quelque chose dans sa mallette pour empêcher la fracture. Elle contenait pas grand-chose, à part son téléphone et la clé de la piscine Bradbury. Pas très parlant comme indice. Jack, c'est Bess. Monarch vient de filmer votre ami en train de fouiner dans des fichiers ultra confidentiels de la compagnie. C'est vraiment une très mauvaise idée. Amy, je dois aller la chercher. Non, je m'en occupe. Où êtes-vous? Je suis en chemin pour retrouver Paul au cale sèche. Sirène n'est pas la priorité. Je vais vous sortir de là. Je vous retrouve au cale sèche. Monarch communique sur le canal 1. Utilisez-le pour anticiper leurs actions. Et Jack, ne faites rien de stupide. Ah, merci de votre confiance. Ah, tu peux pas me dire ça. Je suis déjà stupide, alors. Oh, ok, cela n'a pas trop bien marché. Selon moi, il faut que je passe par quelque part d'autre pour atteindre cet immeuble. Alors, bye, on continue notre mission et ensuite, on verra ce qui va se passer. Ok. Ouais. C'est quelque part ici, hein? Oh. C'est fermé. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Faut toujours trouver d'autres moyens de passer. Tu peux passer par là, mais je comprends pas pourquoi tu veux pas y aller. Mais bon, c'est comme tu veux. T'avais pas besoin de faire ça, mon ami. C'est vrai. Ok, bon. QG, on vient d'entendre une explosion près du périmètre de collecte. Ouais, on se demande bien qui ça pouvait être. Charlie, libère le canal. Équipe Striker, mettez-vous en position défensive autour de la zone 0. Bien reçu. Si seulement j'avais ce pouvoir, j'aurais fait des tas de trucs. Genre, j'aurais pété ma télé lorsque je rage dans un jeu vidéo. Et ensuite, ma télé encore vit. J'ai vu le vieux panneau au-dessus. C'est l'endroit que nous appelons. Il était clair que l'atelier était au centre de l'opération de Monarch. Je voulais découvrir ce qu'il renfermait. De toute façon, ça semblait être le seul moyen d'atteindre les cales sèches, Paul Seren. C'est bon, on les a eus. Maintenant, je crois que je ne peux plus revenir en arrière pour chercher mon point de compétence, hein. Je suis en train de m'éloigner. Fuck! Ah bon, c'est correct, on n'est pas obligé de tout prendre. On va prendre ce qui est devant nous, en fait. Comme ça, on peut progresser dans l'histoire. C'est bon, les amis? Si c'est un point de compétence qui se retrouve dans un endroit isolé, je vais pas tenter d'aller le chercher. Oubliez ça. Renfort à l'approche de la zone verte, on attaque la cible. Ça doit faire mal. Ok, le gros tank arrive. Oh, en fait, ils sont deux. Oh boy, attendez une seconde. C'est de la triche. Et ensuite, ça. Allez, meurs. Oh mon dieu. Ok. Ok, saute. Voilà. On va essayer de le figer. Où est-il? Ok, il est là. Fige. Et ensuite, comme ça. On va sortir notre shotgun. Bon. Il est dead, c'est génial. Il n'y a pas d'autres ennemis pour l'instant, c'est génial. Ouf, ok. C'était serré, hein? Attends, il y a quelque chose d'intéressant ici. Munition pour mitraillette améliorée. Pas comme si j'en ai vraiment besoin, mais bon. Dans sa gueule.
Par le flanc. Ça, c'est juste pour toi, mon ami. J'aime utiliser cette grenade, c'est tellement cool. Ok, ouais. Il n'y a que 3 ennemis. On va commencer par lui. Comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? What? 5-1, on a des signes d'une interruption imminente. Safeguard, neutralisez Joyce avant le début de cette interruption. Je vais recharger mon arme. Ah non, 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 j'ai dit recharge ton arme. Voyons donc. Ouf, ça fait mal, oui. Et good. Là-bas, c'est bon. Yeah. C'est mon bouclier. Ok, il y a vraiment des trucs qui se passent ici. Très belle, tu l'as dit. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Eh, hey, what the... Ok, c'est bon, ça marche. Paul avait conçu un équipement permettant à ses hommes de se déplacer lors des interruptions. Il savait que la fracture aurait lieu. Il s'y était préparé. Mais il a jamais essayé de l'empêcher. Wow! Oh my god, calme tes fesses, toi! Où est-il? Attends, attends, on va servir de ce bouclier. What? Hein? Quoi? Il a juste disparu à moins que je l'ai tué. Ah, ok, je l'ai tué! Hein? Oh. En fait, non, je l'avais pas tué. Ok, c'est bon. Ouh, mitraillette tactique, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois pas la différence, mais bon, on va l'utiliser. Ouf! Voilà, là tu ne peux plus faire ton con. Hein? Je vais continuer juste au cas où. Dans ton zigounet! Papa, papa, pa. Et ensuite, ceci! Là, il est dead. C'est sûr à 100%. Ils sont en train de niaiser, hein? Ils sont plusieurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Bouge plus! Ça n'a pas marché! Ok. Oh boy! Il est où mon autre arme? Il me semble que c'est ici, hein. Voilà, nice, nice, nice. J'ai peut-être 9 balles, mais c'est au moins 9 balles. Êtes-vous? Ouh! Alors, on va faire ça. Fini mes babales, hein. Headshot de la moitié! Je vais prendre la mitrailleuse dans quelques instants, mais avant tout, petit headshot. Oh! Oh! Il y a encore de pas! Il ne vous a jamais dit ce qu'il faisait dans cet atelier, dans la zone zéro? Non, jamais. Il m'a toujours caché cette partie-là de sa vie. Rien ne m'avait préparé aux aberrations qui m'attendaient à l'intérieur. Et ça, c'était qu'un début comparé au drame dont cet endroit devait être le théâtre plus tard. J'ai pas trop le choix, normal. Il y a quasiment des fantômes dans ce jeu, c'est fou! Okay, ouais, je suis au bon endroit. Mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Eh? C'était qui? What? Ok. Vous savez, je sais peut-être que je vous dérange. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... C'est déjà produit. Je vous dérange peut-être lorsque je spamme ça, mais c'est parce que je veux savoir où sont les points de compétence. J'ai pas envie de partir sans mes points de compétence, alors je suis vraiment désolé. Ok, ouais. J'ai expressément demandé du niobium titane revêtu de cuivre. Will. Ok, ouais. Ce jeu pourrait être très bien être un jeu d'horreur, hein? Si c'était glauque et tout. What? C'était absolument incroyable. Will avait disparu. Mais... Il était tout autour de moi. Cette vie secrète dont il parlait jamais. Tout ce dont il avait voulu me protéger. Tout ça m'entourait. Comme un puzzle. Figé dans le temps.
Je me demande c'était quoi ces calculs mathématiques. On pensait tous qu'il gâchait sa bourse de recherche et sa carrière en faisant une fixation sur une expérience ratée. C'est ce qu'il nous faisait croire. Mais ce qu'il a construit, ça a toujours marché. Ça marche ! Ça marche ! Ça a marché ? Ok ! Est-ce que je peux y aller ? Besoin que vous prolongiez ma bourse l'an prochain. Je vous en prie, ne faites pas ça. Paul, venez avec moi. On peut survivre à ça. Paul, vous êtes la seule personne à avoir vu ce que j'ai vu. Ne fais pas ça, non ! Donnez-moi la machine. Et si vous vous trompiez ? Je savais que quelque chose de terrible s'était produit. Mais tout était mélangé. La solution m'échappait. Donc, on va se laisser ici, on va continuer notre aventure la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cette partie sur Quantum Break. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!